Ouais, salut les oiseaux, c'est Parnon. On se retrouve pour ce 11e épisode sur l'intégrale de Killzone Shadowfall. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Du moins. Oulala. Oh là là, carrément un boss, une sorte de boss. Alors, mon perso, il va un petit peu moins par contre. Il va pas trop bien là pour le coup. Qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends rien les gars, je comprends rien, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. J'ai vu rouge là. Mais attends, attends mon ami, attends. C'est juste un écho là. Oh! Non, non, je préfère garder les mines laser. Mais c'est quoi ce petit robot là? Il me casse la tête. Tu fais quoi? Oh là! T'es all contre all? Ah ouais, ah ouais, cadeau! Il est où? Il est où le bordel là? C'est quoi ce truc là? Mort putain! Quoi qu'il me tire dessus. All contre all. Wow. Non. La dernière balle, baby. Elle est pour toi. Comment on l'arrête? Dis-le-moi! New Elkan n'est rien qu'un fantasme. Rêvé par des lâches et des traîtres. Réponds! Et l'arme. Le fantasme va bientôt prendre fin pour vous tous. Cette invasion va vous laisser exsangue. Tu ne le sauras jamais. Chef, vous sauvez, à vous. Oui, bien reçu. Chef, on doit reculer. C'est perdu d'avance. Il est trop tard. Elle est avec toi. Je prends ça pour un oui. Tu as perdu de vue l'essentiel, soldat. Mais pas moi. Vous ne m'écoutez pas. Stahl dispose de l'arme. Je peux le retrouver et arrêter tout ça. Vous courez droit dans un piège. Les dés sont jetés, Kellan. Chef! C'est pas grave. On trouve Stahl, et c'est fini. Alors, allons trouver Stahl. Stahl est notre seul espoir. Allez,
va prendre un de leurs vaisseaux. Attends, par contre, j'aimerais bien. D'accord, j'ai pas compris ce qu'il t'allait faire. C'était lui, je voulais que j'arrosais, mais c'est pas grave. Mais il fait n'importe quoi là, oh, le... Putain, je comprends pas. Lui, tu comprends là? Lui, faut se mettre collé. Voilà. Et où lui? Oh, encore un bazooka. Allez, on doit se rendre au vaisseau. On est deux parias maintenant. Après tout, c'est pas forcément un mauvais point commun. Ici Kellan, tout va bien? Echo, tu me reçois? Waouh, la scène est salement. Waouh, j'étais choqué, je vais pas vous mentir là, ça m'a laissé un petit peu sur le cul. Grosse scène. Regardez-moi ça quoi. Mais c'est juste un truc de fou. On va essayer de pas se prendre des trucs. Même si je vous avouerai, franchement, j'ai regardé moi, c'est. Mesure d'évitement, missile en approche. Ah. Ah d'accord, pour s'avancer, d'accord.
Ah ouais, du coup tu m'étonnes, on a quitté la stratosphère, pardon. C'est vraiment, vraiment bien fait, quoi. Pouah. Alors, objectif, s'il vous plaît. Alors, c'est pas encore là. Du moins, oh, si, si. Désolé si j'ai joué un petit peu le kick ou spam, mais je me sentais obligé en fait de. Mais sérieux, on est encore dans un jeu vidéo là? Mais les nuages, ils sont super bien refaits quoi, c'est un truc de malade. Je sais pas quoi vous dire là. Est-ce que je pourrais faire déjà? C'est renvoyer le chrono, encore une fois, que je n'ai pas fait depuis le début de la vidéo. Je pense que ça fait bien déjà un quart d'heure. Donc. Aucun objectif, j'adore. Si ça passe pas par les portes, il faut passer par les trappes. Alors ici, plus de musique, plus rien. Le vide total. Ouh là là, ça me dit rien qui vaille ça. Heureusement j'ai encore mon lance-patate de la mort qui tue. Je pense que je vais garder ça et puis de toute façon munitions après. Ouh là là, ça me fait vraiment peur là. Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu en train de flipper. Ça c'est que ça c'est vraiment, oh putain, voilà, ça en dit long sur ce qui va se passer les gars. Allez, venez s'il vous plaît, venez. Alors en fait je vous explique là la situation actuelle. J'ai le casque, les PC avec le minimum en musique. Et franchement, je suis dégoûté un petit peu parce que genre c'est juste 4-5 heures du mat. J'ai pas envie de réveiller ma femme en jouant avec le son à fond. Mais voilà, du coup l'expérience de jeu elle est un petit peu pas gâchée je dirais, mais. D'accord, c'était juste pour opérer, pour te dire voilà, il y a plein de mecs, tu es dans la merde. Ok, je kiffe. Je
kiffe ce genre de choses. D'accord, j'adore. Déjà, reviens s'il te plaît. Je vais te laisser trop charger parce que si j'ai besoin de toi à tout moment. Au niveau des ascenseurs, ça se passe comment? Ça se passe pas. D'accord. Bienvenue en enfer, quoi. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Welcome to my hood. Alors, vous savez comment ça va se passer? Ça va se passer comme ça, les gars. Voilà, je joue comme ça. Venez à moi. Venez à moi. Si c'est des petits, je m'en fous. Tenez. Tiens, mange. Moi, c'est les gros que je veux. J'ai peur que si ça se ferme, en fait, que j'ai plus droit à revenir en arrière. Et là, pour le coup, ça me ferait vraiment chier. 1, 2, 3, 4 et demi. Reviens en haut. Oui, je parle à mon robot. C'est un chic nerveux. C'est le mec. Alors attendez, il est mune. Je pense que je vais les finir comme ça. Hein. Sérieusement, je pense que je vais le finir comme ça. Niveau munitions des mines, c'est pas trop ça, mais allez, vas-y, c'est bon, je fonce. Alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Non, malheureusement. Vous voyez ce que je vous ai dit? Heureusement que je suis allé faire un petit tour. Là, il va s'agir de pas gaspiller des munitions pour rien. Toi, tu veux me contourner? Je t'ai capté direct. Il avait un bouclier, le chacal. D'accord, deuxième bouclier. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils sont obligés de venir au corps à corps. Et moi, ça m'oblige à viser la tête. Oups, 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 oups. T'inquiète pas, je t'ai grillé. Mine, 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 mine. Mine armée. On va charger un dernier coup. Il passe à travers les mines? T'as aimé ou pas? Et toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Oh putain de merde, quoi. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Pour le coup, j'ai plutôt bien joué là. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai la grosse sulfateuse. J'aurais réussi à le mettre presque down, hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Plus de balles. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Au niveau du bouclier. C'est pas ça que je voulais faire. Mais c'est pas grave, c'était mignon. Alors est-ce qu'il y a des mecs qui arrivent? Non. Bon, où va-t-on? Sérieux, il en reste encore un? Putain, mais c'est pas grave, bouge pas, j'arrive. Putain, c'est juste ça qui est... Vous avez vu les petits coquins, ils ont caché quand même des mines, mais derrière un petit truc, histoire de dire si tu fais pas le tour de la map, tu es de la merde. Oh là là, j'ai vu un point de contrôle, j'espère qu'il va pas venir vite.
Bon, ça c'est good. D'accord, je comprenais pas trop ce qui se passait. Je vois que tu es bien décidé à me tuer. Je comprends. Tu veux protéger ton monde. C'est une idée admirable, qui manque cruellement à ceux de ton espèce. Les Vectans sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils n'éprouvent que du dégoût pour leur prochain. Chacun voulant toujours surpasser l'autre. Je ne vois pas d'amour dans vos cœurs, mais de l'avidité. Et c'est cette faiblesse qui vous rend si chétif. Une force bien plus grande que la vôtre nous porte. Nous avons la foi. Une foi proprement inébranlable. Sache que ma mort ne t'apportera rien. Tu ne feras que reculer l'inéluctable. C'est une simple question de biologie. Tu es né du mauvais côté, Marshall. Dans mon sillage, d'autres suivront et prendront ma place. La victoire nous est promise. L'acide a eu lieu pour une raison. Les faibles ont péri. Et ceux qui ont survécu le méritaient. Il est temps pour vous de subir le même destin. L'histoire. Elgas ne peuvent plus vivre dans l'ombre de Vecta, désormais. Ulsar à terrain. J'ai trouvé l'arme. Bien reçu, Pulsar. Je sécurise le périmètre. Je croyais te connaître, Lucas. Après tout ce que ces salopards nous ont pris, je ne pensais pas que tu serais celui en qui je ne croirais plus. Celui qui me ferait défaut. Tant que New Elgan continue d'exister, la menace pèse. Je les ai avertis. À moi de leur montrer comment l'éliminer. Pour toujours. J'ai toujours voulu te protéger. Désolé de ne pas avoir réussi. Je sais pas quoi dire en fait. Je m'attendais à une... Je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je suis un petit peu pris de court. Là en fait je commence à poser la manette sur ma vie. Je commence à poser la manette. Je me suis dit bon allez, petite cinématique de fin. Et là d'un coup Sinclair arrive, nous tire une balle et c'est terminé. Donc là c'est un gilon, ça veut dire qu'une suite va arriver. Alpha 7, quoi ? J'ai perdu le contact 2-6. Quelque chose ne va pas. Je crois qu'on a une intrusion. Je confirme 2-7. Nous avons plusieurs failles de sécurité. Attendez, je suis un petit peu choqué là. Je sais pas ce qui se passe. Alors, avec qui on joue ? Joue-t-on avec. Avec la fille ? Peut-être. Alors attendez, là d'un coup je suis un petit peu choqué là de ce qui se passe. Donc chapitre 10, alors ce n'était pas fini en fait.
J'ai l'impression que le perso bouge pas pareil. Alors c'était pas vraiment la fin. Bon, c'est juste un petit peu choquant, j'ai pas trop bien compris les bails là. Bon, on est obligé. Vu qu'on n'a pas le choix. Quoi? Mais c'était qui alors? Attendez les gars, je suis totalement perdu là. Bon, là, je suis l'histoire là et. Y'a rien qui traîne dans ici, non. Ok, c'était juste pour voir la caméra de surveillance. Donc peut-être cet épisode sera plus long que les autres. Je ne sais pas du tout. Ils me disent d'appuyer là pour prendre le sniper, mais j'ai pas de snipe quoi. Peut-être fallait le prendre quelque part ou. Putain, c'est chaud. Wow. Bon, ça en dit long sur la fin là. Pardon pour le petit reniflage.
Récupérer le fusil sniper, mais où est-il quoi? C'est bien beau de dire fusil sniper, mais il est où? Est-ce que je peux passer par là? Pas du tout. Quand notre monument, tout près d'ici, a failli finir en cendres, ce jour-là, plus de 200 membres de notre équipe ont péri dans les flammes. D'innombrables citoyens sont morts dans cette ville. Des milliers de vies. Nous a éveillé de notre rêve. Alors, certains vont me demander comment je savais que je pouvais passer par là. Tout simplement parce que cette map est proposée lors du multijoueur. Et il y a cette petite entrée secrète. Donc c'est cool qu'ils l'ont mis aussi dans le solo. Par contre, je pense que je peux laisser recharger le truc. D'accord, faut attendre. Donc faut déjà aller à D. T'es un full infiltre alors hein. T'es pour récupérer le sniper, c'est juste la misère quoi. Si je tire dessus, ça fait quoi? Ok, elle a fait un petit battement de cœur là. Putain, mais il est où? Putain, il est là-dedans, quoi. Okay.
Faut pas qu'il me touche, faut pas qu'il me touche, faut pas qu'il me touche. Ok. Le point est là-bas. Je crois que je peux passer par là. Ouh, c'est quand même un petit peu chaud, hein. Je parle pas, je suis désolé. Je préfère passer tranquillou, Milou. Est-ce qu'on peut passer par là aussi? Ouais. Par contre, il n'y a pas de sortie, je présume. Si, non. Quand les Helgast sont arrivés chez nous, je me souviens. On croyait la cohabitation possible. Dans leur souffrance, on pensait voir notre humanité. C'était une erreur. On aurait dû se rendre compte, et on le sait aujourd'hui, que les Helgast n'avaient plus rien d'humain, et cela depuis longtemps. Sont une aberration. Ils ne partagent pas les mêmes valeurs. Ils ne méritent pas notre compassion. Ça, c'est pour Kellan. D'accord, 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 d'accord. Donc, personnellement, je pense pas que vous entendrez Je pense pas que vous entendrez la musique. Vu que c'est un morceau classique. D'ailleurs, je sais pas s'ils ont pris des vraies images pour faire le fond ou si c'est des particules qu'ils ont fait directement. Je sais pas, en tout cas, c'est super bien fait. Donc, c'est une fin un petit peu particulière. C'est la première fois que je fais une fin comme ça sur un jeu. Du moins, c'est peut-être arrivé une ou deux fois, mais attendez, je baisse le son parce que je me casse la tête, la femme qui chante là. Personnellement, ouais, j'ai été coupé court en fait. Vous avez vu que juste après que j'ai dit que c'était un petit peu bizarre la fin et tout, du coup, on a incarné l'hybride et on s'est vengé par rapport à ce que Sinclair avait fait à Lucas, à notre personnage. J'ai trouvé cette fin, ouais, plutôt pas mal. C'est vrai que ça a rattrapé le coup qu'on voit l'hybride tuer Sinclair. Je pense que ça a rattrapé un petit peu la chose. Après, ça veut pas dire que tout est fini. Au contraire, comme le disait, je me rappelle plus, Salt, juste avant qu'on aille le voir. Après lui, il y aura une autre personne. Après cette autre personne, il y aura une autre personne. Chacun continuera un petit peu le règne qu'il avait fait. Qui avait fait l'ancien, et je pense qu'au niveau de Sinclair, ça va être la même. C'est pas fini. Personnellement, je vous l'ai dit, c'était mon premier Killzone. J'ai plutôt apprécié, même si ça n'a pas été non plus le meilleur FPS de toute ma vie. Mais en tout cas, niveau line-up pour un jeu de lancement, je trouve que ben, là, voilà, il a fait plutôt. Ouais, c'est plutôt très 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 beau. De toute façon, je pense que vous aurez compris, on a parlé que de ça tout le long du jeu. Au niveau des graphismes, c'est vrai qu'ils sont allés très 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 loin. Je parle pour des consoles, hein. Ah, la petite image est vraiment stylée. Avec Visari, Sinclair. Énorme. Le petit succès en or aussi que j'ai eu tout à l'heure, ça fait vraiment plaisir. Donc là, c'est réellement la fin. J'espère que d'un coup, il va pas avoir Vectane qui va se venger parce que l'autre a fait ça. Là, ça se termine plus. Non, mais franchement, sinon, voilà, je trouve que pour un premier jeu sur PS4, on va dire que mes avis sont vraiment très bons. Encore une fois, je pense que si les jeux sont d'aussi bonne qualité, je pense que mon avenir va se tourner plus vers les consoles. Je ne compte pas lâcher le PC, vous inquiétez pas, il y aura toujours des petits jeux indé que je kifferais faire, tels que Outlast, tels que Risk of Rain, tels que voilà, ça c'est les derniers que j'ai fait, mais il y en a pas mal qu'on a découvert ensemble et tout. Je pense que PC, je resterai quand même un joueur PC, mais c'est vrai que je pense plus m'attarder aux consoles. J'ai testé BF4, je vous l'ai dit, peut-être récemment sur console, ou s'il est très très beau. Je pense faire un comparatif pour toutes les personnes qui se demanderaient comment tourne BF4 sur PC, sur PC et sur PS4. Ou sinon, les prochains Let's Play, je pense peut-être attaquer The Last of Us, car je ne l'ai jamais fait sur la chaîne, et c'est vraiment un jeu que j'apprécie particulièrement.
J'ai pas eu la chance de le terminer. Et je pense peut-être le faire. Alors peut-être que ça va plaire ou pas. Après, il y a pas mal de trucs aussi de coop sur Resogun avec X. Il y a un autre projet, Berji and Wolfie versus Game. Un projet qu'on va faire avec Wolf Shinigami. Vous commencez à le connaître. Il commence à être beaucoup présent sur mes lives, sur ma chaîne. Grosse dédicace à vous deux, à X et Wolf. En tout cas, moi je vous remercie parce qu'on approche très 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 vite des 9000 abonnés. Mon objectif 10 000, on n'y arrivera pas, je pense pas. De toute façon, il reste 15 jours, donc je pense pas prendre 1000 abonnés en 15 jours. Mais sinon, ça fait vraiment plaisir, je cours pas après ça. C'était juste que j'avais vu l'évolution de la chaîne. Je me suis dit peut-être qu'on les aura avant la fin de l'année. C'est pas grave, je suis d'autant plus content. Je suis vraiment content de ce que j'ai. Vous êtes toujours au top les oiseaux, je vois vos commentaires, je vois que franchement vous appréciez à mort les let's play. Je viens de voir encore aujourd'hui sur Twitter une personne me dire qu'il commençait le let's play sur Bulletstorm. Comme quoi vous voyez qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de temps pour commencer un let's play. Pour info, je sais pas, Bulletstorm, je crois que je l'ai fait l'année dernière. Donc voilà, tant que c'est posté sur la chaîne, vous pouvez à tout moment regarder n'importe quelle vidéo. Voilà, du moment que vous avez un petit peu le temps. Là franchement, pour revenir sur Killzone. Un bon jeu, franchement un bon jeu avec une durée de vie assez conséquente, hein, franchement comparé à des jeux comme BF4 ou comme Call of Duty que j'ai fait en 5 vidéos, je crois, 4-5 vidéos pour chacun. Là on tourne autour des 11 vidéos. Bon, celle-ci sera relativement un peu plus longue que toutes les autres, vu qu'on est déjà combien à 30 minutes, ouais, elle va être 45 minutes ou 50 minutes de vidéo. Mais bon, voilà, franchement, moi j'ai beaucoup apprécié le jeu. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est pas le jeu de l'année, mais pour un line-up, je trouve que voilà, la démo technique y est. Je vous l'ai dit, hein, personnellement, j'espère que ça sera pas une insulte envers le jeu ou quoi que ce soit, mais vraiment, je l'ai pris comme démo technique. Il n'y a pas d'autre mot pour moi, c'était juste que je voulais tester un jeu sur PS4, et personnellement, ben, il m'a satisfait. Voilà, franchement, il m'a plu. J'espère que ça aurait été pareil pour vous, que le commentaire il aurait été pas mal. Parce que c'est vrai que vous me connaissez, je tourne toujours aux alentours de entre 2 et 6 heures du matin pour faire les vidéos, donc des fois je peux un petit peu dérailler. Mais ou sinon, voilà, écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé ce let's play, cette intégrale sur Killzone Shadowfall. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de let's play sur la chaîne. Étant une chaîne multigaming, j'essaie de toucher un petit peu à tous les jeux. Et puis voilà, écoutez les oiseaux, la Walk Machine va se remettre en mode off en attendant les prochaines sorties qui sortiront l'année prochaine. Je pense à Infamous, à Metal Gear Solid, à toutes ces sortes de jeux. Là, je vais commencer à geeker un petit peu. Je vais retourner sur Diablo 3, je vais pas vous mentir. J'ai envie de vraiment d'avoir un gros gros perso pour l'extension qui va sortir, je pense. Durant, ben, je prends le premier trimestre, le DLC, quoi, le DLC, ouh là là, l'extension Reaper of Souls. Donc, moi je vous dis à très très bientôt. On se retrouve très prochainement pour pas mal de jeux, peut-être du multi aussi sur BF4. Il y a trop de projets de toute façon qui vont arriver sur la chaîne, c'est pas fini. Moi je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé ce let's play encore une fois. C'était Parano, prenez soin de vous, allez, peace.